قلق كريم كاسد السلغمي أجدين تبعت لجي اسكا كيني كريم أزول فلاي أزول فلا ونزول العربية أزول لك وذاك تحتسنا الأراضي وغي تزيرينا أكيد كريم نكوني ساقيا نسلي سيك بلي سوغالو تبعت لجي اسكا إمي ثليب ميكي بدان وسقوة ساقيا ساكين سينا كين ثلوحوم إلا قتدار نبغى نزار أمشي كاقين يدوغال لجي اسكا شو نتساوي لك غير ثوفير كشري مضبرون تبعت لجي اسكا إيوا كنا دوغال سخامي ما غادينا كاقين Ok, c'est vrai parce que ça a créé beaucoup d'encre sur ma situation, mais qui doit aller à la GSK. En tant que, je vais vous parler d'abord sur le plan professionnel. C'est l'université, les cours, les stages, le football. C'est mon métier. Je suis un professionnel dans le football, donc c'est qui le chemin. Sur le film d'encore, l'Ajiaska. L'Ajiaska, c'est notre club cher, c'est notre club frère, c'est notre amour, c'est notre identité, c'est notre nation. Voilà, nous connaissons le Kabayan. Tout le monde, j'ai pris à la page de J'étais bien, j'ai joué à la GSK, j'étais international. J'ai quitté à l'université de Zahir. En tant qu'entraîneur, après la soirée, d'entraîner à la GSK en Kate, je l'ai servi toujours à la GSK. Je ne cherche pas qui sont les personnes, qui sont les personnes. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la GSK. Tu vois, l'ancienne direction, je les remercie de m'avoir honoré de leur. Alhamdoulilah, c'est-à-dire, ils étaient satisfaits, alhamdoulilah. Moi, j'ai travaillé cœur et âme. C'est tout un staff, c'est toute une équipe. Et là, j'ai dit, alhamdoulilah, les résultats étaient là. Après, donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, on est des professionnels. Même d'ailleurs, la nouvelle direction a mis on leur a dit que, avec Henri Stambouli, on est des professionnels. Nous, on travaille. Nous, notre métier, c'est de travailler sur le terrain. On est là. Pour travailler pour ce club qui est un club parmi les meilleurs au monde, donc le club a dit la GSK a dit parce que il y avait peut-être un manque de reconnaissance, ce que je ressentais c'était ça. Tu vois, je remercie d'avoir pris ma défense. Il est toujours en Abia. Déjà, avant le match de Stéphane, on a mangé ensemble, on était ensemble. Je suis toujours en contact avec lui, c'est un professionnel. On va revenir un petit peu après. Nous connaissons des professionnels. Tu vois, il y a une chose, il y a un fait réel. N'importe quelle administration, n'importe quel gouvernement, ils vont changer, ils vont ramener de leur staff. D'ailleurs, ce que j'ai dit, vous avez le droit de ramener le staff que vous voulez, les adjoints que vous voulez, les entraîneurs que vous voulez, c'est de leur droit absolu. Donc, en tant que professionnel,
والله 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 رستو سكون فيه على جازكا نخدمي سقولنا والله رسون زاريان ارسنينا ارسقولنا وحق ربنا نتجان enfin comme dit notre job des choses sur le plan familial de responsabilité rien que pour le club baguina parce que nous sommes le club baguina il travaille le halman ou le club baguina et mais ils ont des difficultés tu les qimed oui appareil comme la wali comme la wali qimed appareil ben après je sens c'est vrai ce que peut-être que je sais pas Beru Hassan qui est derrière nous peut-être Stahlidine peut-être Hodgner peut-être ça c'est un staff ouvrier parce quand même il t'y suis au Alhamdulillah Alhamdulillah Arabie il t'y suis au Allah a fait un sahal les supporters n'a fait un sahal les gâchis صديري ما ريسبكت ما ملي تقدر عافن ولا حتى كالقيمه ومشطوح حتى كالقيمه ومقران حتى كالقيمه يوم غار حتى كالقيمه يثم غار والله الحمد لله قول شتاقي والله الحمد لله الناس بالك ارجوك انا تشوف داغي ماني هاد روحه سكري يا خويا ما يحوجني يا قلق داغي وسيرفيس لا جينس كاس شنو عقلين قيمه عقلين الحمد لله عقلين دا خدام عقلين ستريكتور فيديرال عقلين ستريكتور كاف عقلي نخدم ضد دي جي اس دونك الحمد لله رزق على ربي نشوف دا غادي ماني مروحه فوالا سكي سي باس ابري لو جني وي اساك يا كريم اساك يا كريم تي نو كونفيرم بلي ذا سلم تخدم ان كونترا دو دانتيريم دانتيريمير دونك خدمنا له ان كونترا دونترينور جو بي دير وفهم على نعم جي كومبري لا كيستيون جو نورمال جي كومبري لا كيستيون تو راه مو بعد يمون في ابل parce que je suis toujours sous contrat et qu'il est le contrat il va prendre c'est-à-dire il va être immeuf le fin de saison 2022 parce que j'ai signé un contrat de 18 mois d'accord donc j'étais toujours sous contrat pas mal donc normal je sans crier permis sans crier à l'aise et tout après alhamdoulilah le gâché sni sni la valeur et nous alhamdoulilah d'anik donc le président m'a fait appel, il m'a expliqué que c'était un malentendu, ils étaient un petit peu sur le plan de la gestion, donc la transition ismaël était un petit peu, il a vraiment, donc ils étaient un petit peu, donc il m'a convaincu que la GSK, d'ailleurs ils étaient, même le bureau Miroha, ils étaient, les bureaux exécutifs ils étaient sur place, donc ils m'ont rassuré, qu'on croit que c'était un malentendu, qu'on croit que, et en plus, c'est la GSK qui a besoin de moi, donc, voilà, déjà, la GSK de Hwadjik, donc ça veut tout dire. Donc, c'est Gira Kalim? Pour moi, c'est l'Irakid, je cherche, n'am? Dans ce cas, Kalim, donc, vous serez là, أشحال أث قيمة ذس الغمي انترفاث نلاجي اسكا أس بوسيقيا نو اوكي ايكوتي وقبل ايز ايتي كلير افيك مو كو كريم فوالا نحواجيك دو غالوف تو ان كونترا كمل لك نعاود الكونترا اون فاترو فار ان كونترا يا با دو بروبليم اني كي هو انداكي المهم يا الحق لا اله الا الله محمد رسول الله المهم يا لاز كو يا با دو بروبليم سي او سي جو فو روفير لو كونترا نعاود الكونترا المهم يبريمو عالاز Mais voilà, il y a un entraîneur qui va venir. Est-ce que tu acceptes de travailler avec nous, de continuer à guider pour un projet ou un academy tout que j'ai pas refusé. C'est mon métier. Je suis un professionnel quand je t'ai dit. Vous voyez, je vais servir là. J'ai ce qu'il y a de l'école. Je préfère servir mon club. En plus, c'est ma ville. C'est ma ville. C'est ma ville. J'ai accepté, voilà. D'accord. Tout là, nous allons à Thamlilith, en Texas, quand je t'ai dit, nous allons à Davar, question football. Thamlilith, nous allons connaître Stiff. J'ai ce qu'à Stiff, madame Adam. Nous allons à Blin, nous allons à Blitharvath, Stiff, nous allons à Blitharvath, Iguard, Natas. Les matchs JSK ESS sont tous des matchs compliqués. Amchit Soufir, Thamlilith, la JSK, Amchit Soufir, Yannir, du point de vue mental, de Koura Insen, Amchit Doun le choix. عليك دي ثلاثة كي لا جي اس كا والله avant de parler d'abord je tiens à rendre un grand hommage à l'entraîneur Henri Stamboli qui reste un ami qui a fait un bon travail je félicite aussi l'ami
مي لا كاليفيكاسيون ديال الكلاب ان شاء الله هذا نوما دي كمل ان شاء الله هذا يوض علي خلي لا بارين نحبس كنيلي ندير ان شاء الله حنا وضع بغينا ان شاء الله بوركو با لا فير بروبورتي لا كوب دونك لا سي تا سي تا نوتر باساج تو رقم دي شامبيونا سو يارا بليك On a joué contre Steve, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. C'est un club, c'est une équipe qui a été vice-champion d'Algérie l'année passée. Tu as joué pour l'Indio, tu as joué pour l'Indio, il y a une stabilité sur le plan technique, il y a une stabilité sur le plan effectif d'Aaron. Donc ils ont fait quelques recrutements d'Arnick, bon des joueurs, pour leur objectif, c'est pourquoi pas la Ligue des Champions, d'ailleurs même le président de l'administration, pour lui c'est la Coupe d'Afrique qui l'intéresse, donc ils ont monté une équipe soi-disant africaine, enfin africaine et compétitive. Donc on ne doute pas, parce que c'est toujours, c'est un réservoir, le football algérien, donc c'est une école, c'est un grand club, comme la GS Kadani, c'est un grand club. Quand tu as les rencontres entre les deux clubs, donc j'ai eu l'occasion de faire les 6 matchs Ngoura, on a joué avec Sétif, donc je connais un petit peu la mentalité, la stratégie de l'entraîneur Agui tunisien El Kouki. Donc je connais un petit peu d'Anik, les stratégies qu'Adam, ça va aller les joueurs Nig, il y en a que la majorité l'aime, mais d'Anik, il y en a que l'Anik, l'Andina. Donc je sais que c'est une équipe, c'est un adepte d'un 4-4-2 Los Angeles, donc il va jouer par les contres, il est très prudent, il ne prend pas de risques, il aime prendre le dessous du milieu de terrain. Donc nous, on a fait, puisque c'était un premier match chez Koudenor, donc c'est toujours un premier match, démarre d'ici soir. Un premier match, c'est toujours, il a un travail pour le moral. Un travail, c'est-à-dire de rendre l'équipe un petit peu sur rail et de gagner le premier match à domicile. Et pour, c'est-à-dire, un soir, les supporters, l'équipe a tenu bien, tenu la base, pour se faire finesse. Mais on a dit à quelques. L'équipe Marat Walid, il y a des manques, il y a des satisfactions, il y a des manques. Donc, il y a des satisfactions, je peux dire l'une des satisfactions, qu'on a une bonne défense, c'est vrai. Oui. On a eu une bonne maîtrise, parce que c'était festif sous cette lap, c'est les contres, donc tout le monde a fait le tour, c'est les contres, le venir. Donc, on a eu la possession, C'est vrai que quelques déchets techniques. Mais beaucoup plus que faillite, soit. Voilà. Nous connaissons déchets techniques, les Algériens, ce n'est qu'un déchet technique. C'est la maîtrise technique. On dit ça, c'est une maîtrise technique. Donc on a eu. On n'a pas eu le réalisme offensif, la qualité technique de passe, que ce soit les arrières latéraux ou les nord, pour qu'ils terminent la qualité du centre aussi. Ouais. On n'a pas eu ça, mais globalement, on a bien défendu. On a eu la position du ballon. Il faut le rythme d'accélération en réserve. Le jeu vers l'avant, atteint de chez Hossein. C'est une logique. Puisque c'est le premier match, en plus à qui dire que l'équipe qui l'avait contre Steve, c'est le premier match officiel, ils l'avaient ensemble. Parce qu'avant, il y avait une équipe qui jouait, l'équipe c'était la Coupe d'Afrique. Il qualifie, alhamdoulilah. Donc il faut trouver l'équilibre. Notre souci premier, c'est trouver l'équilibre. Les ingrédients, tu vas coller le puzzle pour équilibrer un petit peu une équipe qui sera performante africaine et performante sur le championnat, tout en gardant un barré centre par rapport au système de jeu à la Khadam. Justement, Hamid Beslaïd, dans le Snahan Terebouya, en cas de dire Balak Thalatha, Karim, et bien voilà, là, il y a les pépites, il y a les GSK, il y a les espoirs, où il y a les hommes, voilà, Khadman, et on chou l'Ilan, c'est des joueurs, Nuzka, il y a Miura Nuzka, la GSK, et il y a bien, il y a un espoir, il y a un espoir, il y a un espoir, il y a قيمة ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة يأكل المزينة كنا لبيبيتا جيلا جيسكا Exactement. Donc non, pas trois, parce qu'on a. C'est pas que je vais te corriger, Hacha Larville, mais il n'y a qu'un Saïd ou une équipe. Ça uniquement une équipe, c'est la GSK. Donc je vais développer. Je vais développer dans un sens, Inch'Allah, vous allez comprendre un petit peu les stratégies que font généralement des clubs, soit à terme, à long terme, à moyen terme, à court terme. Voilà, tout dépend de l'objectif du club. C'est voir loin et te dire que. La formation, donc on a le temps de former et de faire, il n'y a pas de souci.
Là, oui, tu peux dire que la stratégie va changer, donc tu vas te baser à te baser avec les jeunes, tu vas à se trouver 2 ans de travail avec un très bon staff technique, un travail approprié par rapport à la catégorie d'âge Ninsen, le temps de progression et tout. Il y a ce qu'on appelle le résultat, entre parenthèses, si je peux le dire, c'est un résultat immédiat, c'est-à-dire que de revêtir le blouson de la JASK d'antan en prenant le champion. En jouant le titre la première année, ou en jouant la Ligue des Champions en première année, là, les données vont changer parce que c'est de la barotte, donc il faut des joueurs de qualité qui sont prêts de jouer, qui ont cette expérience de jouer, que ce soit de l'Afrique, dans les championnats, dans des matchs décisifs. Donc tout ça, c'est des ingrédients. C'est à la direction de poser, c'est-à-dire être certains joueurs ou des choses. Après, le staff, là, tout ce qui est direction, dans la direction, c'est-à-dire tout ce qui est staff, donc c'est à partir de là que ça sera les puzzles inox que tu veux faire, ou bien à long terme, là, à court terme. Tu vois, d'ailleurs, l'équipe, c'est vrai, il y a une équipe africaine, une équipe de championnat, mais non, je dirais qu'il y a une seule équipe, il y a une seule équipe, il y a des jeunes, peut-être de qualité, ça, il y a des jeunes. Équipe de qualité, donc on est en train de voir comment cette équipe jeune reste sur la fossile, c'est-à-dire où se en même temps, il faut être patient avec eux, il faut être patient parce que c'est pas pareil, il faut c'est délicat là, donc là la phase de progression, c'est la marge de progression, c'est atelier par étape, donc la majorité, alhamdoulillah, la majorité les jeunes, c'est-à-dire ils sont déjà, c'est un réservoir espoir. En plus, ils ont personnellement qui fait des bonnes de Chaouia, donc je le suivais déjà l'année passée. C'est un joueur milieu de terrain qui a marqué 8 buts. Il a des qualités énormes. On le sait, le Tsang, à l'image de Houdaïfa, il y a Ben Chilouch, il y a Ben Belabbas, il y a Ould Ammar, il a Danik Neït Salem. C'est des jeunes qui ont, c'est une valeur sûre. Maintenant, est-ce qu'il faut les mettre dans le bain, c'est l'aql? Sinon, ça dirait, il y a une vitesse de croissance par rapport au plan mental. Au plan mental, ça veut dire qu'il y a une charge sur le plan mental, que ce soit par rapport aux supporters, par rapport au, c'est-à-dire à la concurrence qui existe à l'intérieur de l'équipe. Donc, les charges, il faut que le staff la maîtrise, c'est-à-dire que c'est l'aql, petit à petit, l'aql, ils vont les incorporer. Championnat, le match il est là. Donc, on a exactement devant nous 35 matchs à Rennes. Donc, petit à petit d'abord, on a un certain nombre de sesses. Le message que vous avez, c'est-à-dire, il y a toujours, il faut être doucement. Il y a des joueurs qui commencent, chaque championnat, il y a des joueurs qui vous donnent le meilleur. Il y a des joueurs qui ont un très bon entame, 5-6 matchs après, il a lâché. Mais lui, il a un temps d'adaptation. Les joueurs, il leur faut un petit peu le temps d'adaptation. Mais toujours est-il que l'objectif d'un staff de ce business, il est de l'arbre l'année avec un mode l'entraîneur qui a mené à la chaque match la meilleure équipe. C'est clair. Mais tout, pas le voilà l'entraîneur qui a la meilleure équipe, n'a pas dit la meilleure équipe. Donc c'est une équipe, on a une équipe, on a un réservoir, je le dis et je le redis, on a un réservoir, ça a un réservoir de jeunes. Donc il faut petit à petit cela. Ils sont en espoir, petit à petit, les faire incorporer. Suis. Ils ont une satisfaction ici, Machingoura. Ils ont une très bonne satisfaction. Boualia, si Miguel ici, Machingoura, et Moussa Douala, ils ont une équipe nationale, alhamdoulilah. Nous avons une Qasida, qui a une équipe nationale, alhamdoulilah. Ben Abdi a une équipe nationale. Après, nous avons une équipe nationale aussi. Donc l'équilibre est là. Le puzzle entre expérience, joueur expérience, joueur jeune, parce qu'il faut la transition, l'équipe ni jeune, son équipe senior, il a droit, c'est la calme. Il a une certaine stratégie, il a une certaine coordination, une certaine logique dans l'échelonnement d'un joueur en petite catégorie, c'est-à-dire en jeune, prometteur d'y aller. Jamais ça fait 5-6 équipes à l'avenir. Dima, c'est l'aql 2, 3, c'est l'aql. Elle a fait l'Europe
Il faut bien les entourer, il faut bien les protéger beaucoup plus, il faut les protéger. L'avenir est un très bel réservoir. Justement, Karim, Manuela, il y a deux journées, Bon, on va parler, si tu veux, si on parle du championnat algérien. Le championnat algérien, nous connaissons la CNE, ça fait que, parce que la CNE a deux matchs déjà à lycée point, Bon, c'est bon de prendre là, un bon départ. Nous connaissons le championnat à Kidine. C'est-à-dire, à partir du 7e match, un petit peu à partir, je dis bien, à partir du 6e, 7e match. Les clubs, ils ont le potentiel de jouer le haut du tableau. La première, deuxième, troisième, quatrième, elle met cinquième place. Oui, là, ça a le potentiel à partir du septième match, huitième, maximum huitième match, elle devient des clubs XAN, un réservoir dans le potentiel de jouer le haut du tableau. Autrement, on est dès les débuts, il y a des automatismes, il y a des clubs, la majorité des clubs, les joueurs, bon des joueurs, ils disent, il y a une certaine cohésion entre les joueurs, il y a une certaine. L'entraîneur, mais il a déjà dit, il a fait la philosophie, il a la stratégie, il leur faut un peu de temps, il faut que tu sois adapté. Donc c'est un tout. Prendre l'avance dès le début, oui, mais ce n'est pas une référence pour les championnats. Tu peux faire deux matchs, tu es gagné. Tu aurais dit, oui, la majorité peut être faire deux matchs, au bout de la cinquième journée, tu as fait deux matchs. Elle commence à faire les matchs, tu as fait. Donc là, je peux te dire que le championnat, on n'a pas un bon niveau. C'est pas vraiment un niveau, Inch'Allah, c'est peut-être, avec le retour du public, mais avec, Inch'Allah, que c'est l'exigence des clubs, parmi les catégories, Inch'Allah, c'est une belle concurrence, Inch'Allah, le fair play dans le fair play total, Inch'Allah, c'est une équipe qui a du talent, il y a de la qualité, il suffit juste de savoir comment, c'est-à-dire le puzzle de l'avenir, c'est équilibré, Bachat Soufra, une équipe performante, que ce soit de l'Afrique. Il est voyant. Bien sûr, ça va jouer contre l'entraîneur. Le vraneur est Bahnara. Maintenant, des fois, il faut que tu sois réaliste. Tu es réaliste, que le carnet de Tifa Rimani, que l'entraîneur, nous connaissons. Après, on l'a dit, nous avons les données de médias. J'essaie de raconter les meilleurs de donner plus de médias. C'est vrai, ils avaient le match contre Chlef, ils ont gagné leur premier match. Donc, c'est pas facile de gagner à Chlef. Donc quelque part les ambitions d'Insen sont affichées, donc Boudin l'entraîneur c'est un Tunisien d'Anik, Zmaraki Dinerblik c'est une équipe qui elle est volontaire, elle est coriace, elle a du caractère dans le sens qu'elle est agressive dans le jeu, parce qu'elle a quelques séquences, donc ils ont marqué sur balle arrêtée, d'ailleurs l'ancien joueur Lynch Lefig Marken, il a un recenteur Armdia, celui qui a marqué sur balle arrêtée, après un cafouillage à Kné. C'est une équipe qui est agressive. Le premier match, toujours, c'est l'équipe Nerakid qui reçoit, qui est peut-être sur un ascendant psychologique parce qu'elle essaye de gagner. Mais l'équipe adverse, elle a marqué les contres. Donc,
On a quelques renseignements, mais nous connaissons qui n'a pas dit que nous on a des atouts à faire valoir. Bien sûr, on est là pour essayer de gagner, de faire le meilleur résultat possible, d'être performant, c'est-à-dire de ne pas perdre le match. D'être performant. Le résultat à l'extérieur, c'est de ne pas le perdre. Voilà. Qu'est-ce que ça a calme justement, puisque nous avons gagné ce week-end. L'Éthiopien est un de la GSK, Najim, c'est ça? Où est-ce qu'il y a un dig sawa? Oui, exactement. Najib Qassim. Qassim. Karnas Hamza. Non, non. Najib Qassim Hamza. Hamza. Donc c'est un Éthiopien, donc il parle anglais, donc peut-être le seul, je dirais pas handicap, mais on essaie, même personnellement, j'essaie de, en plus c'est un professionnel, c'est un international. Tout ce qui est africain, je vais dire un truc, parce que un africain, généralement il te faut un peu de temps, mais ça a du caractère, il peut intégrer directement. Mais il a un défenseur, c'est facile, parce que c'est presque facile pour un Africain, par expérience. Par expérience, pour un Africain, il est facile d'intégrer directement l'équipe sans Amdoumbia, c'est un international dans ça. Donc le Mali, c'est les proches d'Ani qui nous connaît. Donc, Gorshtagil n'a pas trouvé de difficultés. Hichem, alhamdoulilah, il s'est imposé. Il a le charisme, il a tout le potentiel d'un grand défenseur central. Après, Najib Mouazibagi, qu'est-ce qu'il a comme qualité là? Il est puissant. Il est puissant. Mais pour un attaquant, je dis bien pour un attaquant. Pour un attaquant, ce qui lui. L'avanceur. Ok. Il est très puissant. Il est très puissant. Il est rapide. Il est puissant. Même un bon gabarit. Pas gros, mais peut-être pas mitchour avec les carnes. Donc c'est pour ça sa puissance. Il faut de l'explosivité pour un attaquant de pointe, c'est d'y aller en but. Il se marque. Donc le champion en scène. Personnellement, qui j'ai analysé le profil Inès, il a marqué 20 buts. C'est un international éthiopien. Il a marqué des champions en scène 20 buts. Donc ils se sont classés premier du championnat éthiopien. Sur le championnat éthiopien, est-ce qu'il est fort, non, faible, non? Mais ce qui comptait, c'est que c'était pour marquer 20 buts, n'importe quel choc. Tu marques 20 buts, ça veut dire que déjà, tu as quelques qualités, mais que tu es un attaquant. Donc, ça, il a cette qualité d'Anirakid, il a cette vision de jeu. Il observe bien le jeu, il comprend bien la lecture de jeu. Donc, Anirakid Trimest peut-être un petit handicap par rapport au langage. Inch'Allah, on essaie d'exploiter Tagui ce que le staff attend de lui, ce que le staff lui demande. D'ailleurs, pour ton information, on l'a convoqué, on l'a pris. Peut-être, Inch'Allah, Inch'Allah, il a une petite apparition, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis, normalement, je vais dire ici, fax à l'île, il sait qu'il est là, et qu'il n'y a pas de soucis de BF. Et caca. C'est fax d'Anik ou l'art, je vais tirer chapeau parce qu'il fait un travail professionnel dans ça. Ouais. Même le staff médical sont tous sans remercier, je vous assure. Ouais. Il y a une équipe derrière qui est à cheval, que soient les médecins, je vais citer Kalé Gatmani, Djadjoua, Louné, Salé, mais ils sont là au chevet des joueurs pour qu'ils soient à leur meilleur niveau. Il donnerait ce club qui est cher à Tegelagias. Je suis un peu plus de temps. والله personnellement je te dis bon déjà le fait déjà mazal ghir un tour alhamdoulillah mazal ghir un tour l'avantage qu'on a peut-être un petit avantage c'est que l'aller ghorsen retour ghorna amma taqsat nglindi lindi c'était la même chose on jouait stade malia ghorsen retour ne pouvait ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance hein, mais on a un petit avantage si on veut c'est toujours bon de jouer le match retour à domicile avec ghorna c'est ça donc inchallah
Personnellement, les données réelles ou l'arme, on a jusqu'au 28, donc personnellement, l'arme, elle ouvre des rares, c'est-à-dire l'équipe a gagné, que ce soit le championnat, mais on aura le temps de voir les points faibles, et les points forts. Inch'Allah, on va se faire les supporters, Inch'Allah. Donc, l'objectif, de l'Afrique, c'est de passer au pool. L'objectif, c'est de passer les poules. L'urgence, elle est là. L'urgence, c'est de passer les deux matchs à gagner retour pour passer aux poules. En bas, les poules, Inch'Allah, c'est une autre histoire. Donc, Inch'Allah, on sera à la hauteur. Les joueurs, Inch'Allah, sont déterminés. La nouvelle équipe, la première fois, la première fois, les jeunes, nous avons un pays africain, nous avons le Maroc, bon, ses voisins, mais on aura une distance de 15 à 14 heures de vol juste à l'Afrique du Sud. Donc, c'est une découverte. Donc, c'est une source d'anecdote de motivation, Inch'Allah, à la hauteur de l'espérance des supporters. Akira Kalim, Salmers et Wawela Girenich, et Yali Disselden, la radio 6 Voilà, juste que ce n'est pas de Saha, parce que l'émission elle est entendue dans les quatre coins du monde. Donc, peu importe les noms, peu importe les joueurs, peu importe les dirigeants, peu importe les entraîneurs, peu importe les adjoints. Ils sont celles que la jasket utilise des sauts. Ils sont celles, Inch'Allah, qui demandent de dire soit Nick, soit Maroua, Nick, soit Nara, soit Inch'Allah, parce que tu sais la question, tu vois, qu'il est prêt. Qu'est-ce qu'on va donner à cette jasket? C'est toujours avec un grand plaisir qu'on t'entend. Et qu'il se lit au Ali, de Walisan Azel, de Walisan Mizel. C'est très honoré, c'est toujours honoré pour des éclaircissements à tes conseils. Salam Mirza Karim, Jack Lee Salouit. Merci, madame.